Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne, dernière vidéo de Shredder X de la Loi du Mot. Non, du coup, ça fait plaisir, j'espère que ça vous a plu la petite série de Shredder X du côté de Reims et compagnie. Donc, pour finir en beauté, j'ai voulu faire ce quartier-là. Il n'y a pas beaucoup de ronds-points, donc c'est une petite vidéo, mais on va faire le topo après de tout ça. Donc, du coup, là, la dernière vidéo, ça sera avec les Shredder justement TXN, il n'y en a qu'une seule. Sur les 4 ou 5 RX qu'il y a, je crois que c'est les 4 ou 5, 3 sur les 3 RX. Donc, du coup, là, on va pouvoir regarder derrière moi, il y a des jolies petites harmonies V2. Mais voilà, donc de base, c'était pas cela qu'il y avait avant. Mais bon, apparemment, il y avait des harmonies V2 qui ont été remplacées ici. Donc, la petite Shredder RX, là, par contre, là, je suis complètement contre genre, du coup, c'est une barre lumineuse la machine. Ah, pareil. Petite Shredder RX et la TXN qui est juste là. Par contre, si j'arrive, voilà, petite TXN des familles, ça fait plaisir. Enfin, par contre, si je rétrécis et non comme un gros mongol, je ragrandis. Voilà. Alors là, par contre, je pourrais pas faire le tour du rond-point, c'est bien dommage parce qu'en fait, là-bas, c'est l'entrée d'autoroute donc c'est un peu compliqué. Mais voilà, il reste plus qu'une RX là. Une TXN qui a été remplacée, je ne sais pas quand, parce qu'en fait, des TXN, je crois que la personne en question, il en a encore en stock. Faut que je voie avec lui s'il en a encore en stock. S'il en a encore en stock, ce serait intéressant d'en récupérer. Si les TXN, c'est intéressant de récupérer ça, c'est encore assez vieux. Oh, c'est pas si vieux que ça, en fait, les TXN. Ça existait encore dans les années 2000, donc... Moi, je regarde, parce que j'ai les catalogues des années 2000. Et faut que je regarde, ça a été jusqu'à quand, la RX, la TXN. Puis les deux dernières petites là. Là. Ah donc. Il y a peut-être un petit spot à faire là comme ça ici. Ah ça va être compliqué mais bon. Donc là il y a une TXN, une RX et puis deux RX là. Voilà. Donc c'est un dernier temps où tous les restants des RX sont encore là. Donc là par contre. Je vais faire le tour du rond-point, mais je pense que ça sert à rien. On va se laisser là-dessus. C'est une toute petite vidéo. Voilà. Donc, du coup, je vous ai expliqué. Alors, justement, j'ai voulu faire ces vidéos-là, comme je vous ai expliqué dans 2-3 trucs. Les RX, c'est à Reims. Il y en avait des centaines et des centaines. Tout a quasiment dégagé au fil du temps. À la place de la LED, bien sûr. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, j'ai préféré faire la dernière vidéo de ce qu'il y a sur Reims, sur Montreuil et Tinqueux. Parce que je vous garantis, dans quelques années, ça n'existera plus, même dans quelques mois, hein, facile, hein, parce que ça dégage rapidement. Il y avait des Z15 à droite à gauche, tout a disparu. Donc, du coup, je pense qu'il fallait vraiment le grand moment de le faire. Il y a quelques années des RX. Côté d'une autoroute, c'est normal. Et donc, comme je disais, je vais regarder un peu, voilà. Et comme je disais, en fait, le truc, c'est que, ben, en fait, il y avait des RX en croix, en simple et double foyer. J'ai jamais eu l'occasion de les prendre. Je les ai en photo, mais j'ai jamais eu l'occasion de les prendre en vrai, en vidéo. C'est bien dommage, mais bon, tant pis, hein, on peut pas tout avoir. Et donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah. Oh, elle est belle, la TXN derrière. Ah, c'est pas faux!